Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment connecter votre application mobile à votre chaudière facilement, en quelques étapes. Juste avant de commencer, branchez votre chaudière au réseau électrique. Ensuite, activez le Wi-Fi et la localisation sur votre téléphone. Téléchargez l'application sur Play Market ou App Store. Vous pouvez également utiliser votre moteur de recherche et trouver l'application nommée Technic Smart Boiler. Votre application est installée, inscrivons-nous maintenant. Veuillez entrer votre numéro de téléphone et le code de vérification que vous devriez recevoir sur votre téléphone portable. Votre identifiant et votre numéro de téléphone. Vous utiliserez cet identifiant plus tard pour vous connecter à votre chaudière. Maintenant sur votre écran, vous pouvez voir l'espace pour scanner le code QR. Scannez le code sur un autocollant que vous pouvez trouver sur votre chaudière. Cette étape vous aide à établir la connexion beaucoup plus rapidement. Ou vous pouvez entrer votre numéro de série en appuyant sur le bouton qui dit « Configuration manuelle ». Pendant que vous entrez un numéro de série, faites attention et vérifiez toutes les données et informations avant d'appuyer sur « OK ». Alors, assurez-vous de bien connecter votre appareil. À ce stade, veuillez vous assurer de donner à l'application la permission d'utiliser votre Wi-Fi et votre localisation. Maintenant, connectons votre téléphone au Wi-Fi de votre chaudière. Sur l'écran, vous pouvez voir le réseau nommé Tasmota et quelques chiffres. Connectez-vous à ce réseau Wi-Fi. Super. Connectons maintenant votre chaudière au réseau Wi-Fi de votre maison. Choisissez votre réseau sur l'écran et entrez le mot de passe. Vous avez besoin exactement du mot de passe de votre réseau Wi-Fi que vous partagez avec vos invités ou amis. Attendez un peu jusqu'à ce que votre chaudière soit entièrement connectée au réseau Internet. Parfois, le processus prend quelques minutes pendant que votre chaudière se connecte à votre réseau domestique. Maintenant, vous pouvez contrôler votre chaudière avec votre smartphone. Allumez et éteignez la chaudière. Réglez la capacité de la chaudière. Vous pouvez également la réduire facilement. Réglez la température. Réglez la température du chauffage. Lorsque vous gérez votre mode de chauffage avec un smartphone, vous pouvez planifier la température pour des semaines à l'avance en utilisant le mode de programmation hebdomadaire. Choisissez les fonctionnalités que vous souhaitez appliquer lors de la configuration du mode et choisissez également un jour. Choisissez un nombre de degrés approprié pour chaque partie de la journée. Réglez la température pour certains jours de la semaine en appuyant sur un bouton avec un court clic. Où vous pouvez éteindre votre chaudière certains jours en particulier et elle fonctionnera en mode anti-gel. Si votre chaudière est reliée à un chauffe-eau, vous pouvez également régler la température de l'eau. Et la dernière recommandation, comment déconnecter votre téléphone du système si vous voulez le remplacer ou l'utiliser avec un autre utilisateur. Allez dans Paramètres, choisissez Réinitialiser les paramètres du module Wi-Fi. C'est tout. Maintenant, un autre utilisateur peut se connecter à un système pour gérer une chaudière. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de notre application mobile, n'hésitez pas à contacter le point de vente de la chaudière ou à envoyer un email mentionné dans la description de la vidéo. Merci d'avoir choisi Technics.